Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur Haunted Memories. Alors je ne sais pas pourquoi je joue à un jeu comme ça, mais je sais pas, j'avais envie de tester. Hein. J'avais envie de tester. Il est disponible gratuitement le premier épisode sur Steam, donc il me semble que c'est dans les jeux accès anticipé. Allez voir si jamais ça vous intéresse et on va faire la découverte donc de ce premier niveau. Alors, comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo de Outlast, je suis pas très très bon, enfin très très calme, on va dire, aux jeux qui font peur. Mais j'avais envie d'essayer ce petit Haunted Memories. Voilà, on va le mettre en normal, hein, parce que je suis pas non plus un fou dans ma tête. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bon, c'est tout en anglais, hein, mais bon, on s'en fout. On veut jouer, si ça marche. Ça marche. D'accord. Oui. Si donc si on venait dans un endroit qu'on n'avait jamais vu avant, on marche la chose. Donc l'épisode 1. D'accord, donc ça c'est un. Deutéronomie, c'est. Ouais, Deutéronome. C'est un truc de la Bible. Une citation de la Bible. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour lire la Bible. Oh, le sol est... On dirait de la terre. Why am I? What is this place? What the fuck? Merde, les contrôles sont pas bons. Et peut-on les changer? On peut pas les changer, c'est con, ça. Voilà, parce que vous voyez, là, j'avance avec W. Non, c'est ça, hein, je crois. Ouais, voilà. J'ai inversé en fait, j'ai. Parce que si on appuie sur. C'est Shift et Alt en même temps, en fait ça nous fait passer en clavier QWERTY. QWERTY, AZERTY et inversement donc. Alors est-ce qu'on a. Non, on peut rien faire. On peut sauter. On peut sauter, on a des mains qui sont toutes bizarres, on dirait qu'on est un mort-vivant. Est-ce qu'on peut taper? Non. Est-ce qu'on peut courir? On peut courir un peu. On balance beaucoup des mains quand on court. Hein. C'est assez intriguant. On a une lumière là-bas. What the fuck? Une voiture. J'entends des doubles de mes pas, c'est très stressant. Ça me fait peur, tout ça, ça me fait peur. Disons... Cool. Équipe. Ok, la lampe est vraiment... On peut pas l'éteindre cette voiture, elle fait un bruit infernal, c'est horrible. Putain, éteignez-moi cette radio, bordel! Ah ben, c'est éteint toute seule. Plus d'essence, y a pas quelque chose là-bas? Non, non, c'est fait. Alors là, on a une imprimante. Enfin, une imprimante, une machine à écrire. On se croirait dans revenu dans Resident Evil. Les premiers, une machine à écrire. Donc on va taper... Est-ce que je peux taper, s'il vous plaît? Merci, oui, voilà. Voilà. Comme toute première sauvegarde, on va l'appeler comme ça. Résume. Donc je suppose que si je fais tab, j'ai un seul ruban encreur du coup. C'est ok, c'est normal, classique. On se croirait dans Resident Evil. Alors on n'a pas beaucoup de lumière. Hein. Hey. What is this shit? Je n'aime pas ce genre de jeu. Je sais pas pourquoi je teste ça. Je sais pas si je vais aller au bout de l'épisode, je sais même pas si c'est long. Mais c'est gratuit, alors... Attendez, alors j'ai deux petites secondes, je me mets un chronomètre, parce que après sinon je sais jamais quand est-ce qu'il faut que je m'arrête. Alors, on a ici une belle carte. Ah, une carte avec, c'est quoi ça? On a pick-up un truc, et on a pick-up un autre truc. Waouh. Ça fait mal, ça. Oh, ça fait mal à la tête, ton truc, là. Alors, il y a du sang sur la machin chose.
Hey, ça te calmait tout de suite là. C'est bon, ça va? Je peux regarder la carte tranquille là? Alors. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Moi je suis où? Moi je suis là. Il faut qu'on aille Better Turn Generator On. Donc il faut que j'allume le générateur. Donc on va. Si je fais ça, est-ce qu'on me voit? Ah non, non, d'accord. Normal, c'était pas une mini-carte. Alors on a un petit chemin. Soit on peut continuer, on a un gros chemin. Alors on va peut-être prendre le gros chemin. Parce que le petit chemin m'inspire pas trop. Aïe, ah, ça fait mal à la tête ton truc là. C'est ici, on est dans le petit chemin là. Le grand chemin, pardon. Ah bah on va peut-être prendre l'autre là. Ah il y a une bagnole là. Alors j'espère que ça fait pas trop peur. Hein, parce que là je. Ah. Là je fais le courageux tout ça, mais en fait non. Hein. En fait il va falloir tout de suite te calmer là, parce que. Hein. Encore une carte. Qui me dit que je suis là. Bon ça va bien 5 minutes ça, mais à force, hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi t'as mal à la tête comme ça, mon grand? Qu'est-ce qui se passe? Hop, on va suivre cette avenue là. Une avenue très passante, hein. Ça se voit tout de suite. On va courir un peu parce que. Hein, pas que ça à faire, marcher dans les bois. Attention, je sens l'apparition là. Je vais pas me retourner parce que ça me stresse. La carte, s'il vous plaît. Tout droit. Ça, c'est toujours tout droit. Ah! Non, c'est bon. Ah! Non, ça fait pas. Non. Je voulais l'aveugler avec ma lampe torche. On peut pas. Merde, j'ai coupé ma lampe, du coup. Attends, on est obligé de passer par le menu pour équiper la lampe? C'est un peu con, ça. Alors ici on a le générateur qui est totalement à l'air libre, hein, forcément c'est naturel. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la porte? On a le droit d'ouvrir la porte? Est-ce qu'on a le droit de fermer la porte maintenant? On a le droit de fermer la porte, c'est bien. Alors, ah, on a des rubans encreurs hein, qui sont là en plein milieu de. Sur un rocher en plein milieu de nulle part. Attends, une machine à écrire à tout hasard qui serait plantée par là. Il n'y avait pas un truc là dans sur le mur? C'est moi qui deviens fou peut-être. Il y a beaucoup de brouillard par ici. Hein. S'il faut appuyer sur le bouton. Ah, ça c'est con ça. Alors, c'est par où qu'on remplit? C'est là? Alors, si je fais H et que je fais C'est par où qu'on remplit, s'il vous plaît? Je suppose que c'est pas là. Il n'y a pas genre une pompe et il y a marqué. Enfin, un endroit où il y a marqué. Mettez-moi l'essence ici. Bah, je sais pas, non, ce tuyau-là, ça me paraît. Pourquoi t'as mal à la tête encore là? Ce tuyau-là me paraît pas trop mal. Est-ce que si je fais. Non? On s'en fout. D'accord, c'est un petit peu mal foutu ça parce que. Ah bah si, voilà. Ah bah voilà, en fait, il fallait seulement utiliser. Ça se fait tout seul en fait. Je croyais qu'il fallait l'utiliser par le menu. Ils auraient pu mettre l'animation où il met l'essence dedans quand même. C'est pas trop sorcier non plus. Surtout que ça casse un peu l'immersion, l'écran noir, hein, pour mettre de l'essence dans le machin. Bah! Ça fait le bruit d'une mobylette. Ce qui est parfaitement logique. Bon. Ok. Maintenant. Qu'est-ce qu'on fait?
Ah mais en fait c'est des batteries ça. Oh quel con. Ah en fait non, on n'a pas de ruban encreur limité. Oh bah du coup on va couper la lampe. Oh, oh économie là, oh. Ah c'est pas toi qui paye les... Aïe Ah, il est là-bas. Bonjour monsieur, excusez-moi. Excusez-moi monsieur. Vous avez plein de trucs autour de vous, c'est ultra chelou. On va aller voir le monsieur là qui a l'air un tout petit peu bizarre. On dirait qu'il flotte dans le ciel. Attention. Ah. Non, personne. Ah. Non, personne. Alors du coup, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Bah, on va revenir là-bas. On va courir un peu, hein, parce que... Je suis sûr qu'on va avoir mal à la tête, donc on... Oh, une maison. Putain, je l'avais pas vu. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette baraque. Ah, il me faudrait un pied de biche, non? Sûrement. C'est ça qu'il a dû me dire en anglais, mais j'ai pas trop compris. Ouais, il doit falloir un pied de biche, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ouais, il a l'air d'avoir des trucs intéressants. Est-ce qu'on peut se baisser dans ce jeu? On peut pas se baisser. Pour un jeu qui est censé faire peur, c'est un peu chiant qu'on puisse pas se baisser. Alors ici, là-haut... Si je fais ça, j'avais... Ah si. Là, ce qui me semblait, il y a une lumière là-bas. Ah bah il y a des lumières, bah ça va. C'est tout de suite plus convivial quand il y a des lumières. Et là, je vais avoir un gros mal de crâne, je sens. Qu'est-ce que c'était ça? On me dit toujours pas qu'est-ce que je dois faire. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse. Pas moyen de l'ouvrir, non. Oh, qu'est-ce que fout là? Là qui se gare n'importe comment de nos jours. C'est franchement horrible. Du coup, je sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je monte Restricted C? C'est quoi ça? Restricted B? Restricted A, c'est quoi ça en fait? Watchtower, allez hop, on va aller là, hein. On est fou, on va là où il y a, où c'est un petit chemin de merde. Là où nos oreilles vous ont bourdonné dans un... Ah ah! Et c'est là où on a un petit problème, parce que là, il y a plus de place, on peut pas monter. C'est ça la route, hein. Ouais, c'est ça. Mais il y a plus de route, c'est ça, hein. Ou alors on peut quand même monter. Ah si, on peut quand même monter. Ah, j'ai cru que c'était bloqué, genre, qu'il fallait après le débloquer. On va passer par là. Sauf que j'entends mes bruits de pas en double. Ce qui n'est pas particulièrement rassurant, pardon. Aïe, ah, ma tête ah. C'est quoi ça? Non, j'ai cru que c'était quelqu'un. On va se calmer tout de suite, là, hein. Attends, je regarde ma carte, s'il te plaît, arrête de bouger, merci. Chuchote, va. Non, je déconne. Je serais dans la même situation que lui. J'aurais peur aussi. Tout seul dans la forêt, que je sais pas comment je me suis retrouvé ici. Dans une forêt avec des gens qui flottent de loin, qui veulent pas qu'on les approche. Des espèces d'indigènes. Oh, du bois, c'est cool. Ah oui, oh putain, effectivement, c'est une belle tour. Effectivement, on peut, hein. Elle est plutôt bien construite, hein, celui qui est étudiant. Disons, les escaliers, faut pas avoir mal à la tête, hein. Alors là, là, j'avais bien compris qu'on était ici, merci. Bien pour ça que je suis venu là. Et on peut continuer vers là-bas. Et quoi, vers là-bas? Allons voir. Ici.
ici, il y a un chemin qui mène à rien. Ah, il y a un lieu, un truc. Comment je peux voir ça? Ouais, enfin, tu as marqué des trucs en fait sur les notes. Mais je ne peux pas les... Ah si, voilà. D'accord, si, si, reporte. Donc il y avait une photo, une espèce de mine, une espèce de hangar, je sais pas quoi. Gna, et après, truc, machin, chose. Bon, d'accord. Allez voir, il y a une baraque ici. Qui m'a l'air d'être ouverte. Putain, il y a du vent, hein. Ça souffle. Y'a rien, c'est con ça. Ah, d'ici on a une belle vue de la forêt. Mais le problème c'est qu'il fait nuit, donc du coup on n'y voit rien, forcément. Ah, bonjour monsieur. Pourquoi je peux pas avancer là? Je veux avancer. Bonjour. Je cherche des gens. Des gens vivants, hein, de préférence. Je préfère les gens vivants, c'est plus rigolo. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, il me stresse ce monsieur, il avance bien vite. Putain, j'en ai des frissons, bordel. Mais ça fait peur ce machin, on dirait. On dirait comment ça s'appelle? Putain, mais c'est quoi ça? Y a tout le monde qui a déjà pillé là? Si je saute d'ici, ça... Ah, mais c'est cool ça. Une hache, dis donc. Aïe, aïe, ça fait mal à la tête, ça, j'ai dit. Alors, on va tout de suite s'emparer de suite de la hache. Ça me paraît être une bonne idée. Contre, on met des coups de hache un petit peu bizarres quand même. Hein. Ah, allez, viens que je te pète ta gueule là. Pourquoi game over? Pourquoi game over? Ouais. En fait, c'est un tout petit peu spécial. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Ça vous a donné un petit aperçu. Bon, ça fout un peu le stress, mais voilà, parfois il y a le personnage qui... On dirait qu'il a mal à la tête, tout ça, qui se sent pas bien. Et donc ça casse un peu le truc. Mais bon, il y a de l'idée quand même pour ceux qui aiment bien les trucs qui font un petit peu peur. Voilà, c'était une découverte de Haunted Memories, ou le premier... Oups là, pardon. Et le premier épisode est gratuit, hein, disponible gratuitement. Alors combien ils en ont prévu? Je ne sais pas. Alors ben, on va compter ensemble. Hein, donc on a le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. C'est déjà pas mal. Hein. Après je ne sais pas si c'est long, hein, parce que là je savais pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire. S'il fallait foutre un coup de tatane dans la gueule ou s'il fallait se casser tout simplement. Parce qu'il n'avait pas l'air de vouloir négocier une trêve. Donc voilà, ben ça va être tout pour cette découverte, cette petite découverte. Hein, désolé, ça va être une courte vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Mettez-moi un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu. Hein, et un petit commentaire aussi pour vous dire qu'est-ce que vous en pensez du jeu. Si vous, ça vous a foutu un petit peu les jetons ou pas du tout. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et à m'ajouter sur les réseaux sociaux, à Facebook, Twitter et Google+. Voilà, merci à vous. Ciao!